Salut tout le monde, c'est Pierre Humeur. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2, notre aventure sur Dead King. Oula, il y a un fight. Ou le fight. Ils sont un petit peu insultés les deux et il y a eu un fight. Donc deuxième épisode de Assassin's Creed Unity Dead King. Oui, le DLC. Donc aujourd'hui les amis, comme je vous avais dit, un épisode annexe. Donc ça sera un coup épisode aventure, un coup épisode annexe. Ce DLC, il est plutôt... il y a une bonne durée de vie à ce qui paraît. J'ai regardé le test de jeuxvideo.com. Et ils ont dit bonne durée de vie. Mais ils ont dit un scénario qui a pas franchement grand intérêt. Mais bon, pour l'instant on verra bien ça. Je vous dirai mon avis en fin de let's play. Hein. Donc bonne durée de vie, ça fait plaisir. Bon, je m'attends pas à 20 épisodes non plus. Hein. Ne vous inquiétez pas, je m'attends à 15 vidéos, peut-être. Après, c'est peut-être trop demandé. C'est bien possible, j'en suis conscient. Quoi, toi? Tiens, parce que... Ah. Merde, ma manette, elle est pétée, sérieux. Putain, le bouton carré, il est pété. Je vous jure qu'il est cassé, le bouton carré. Ah, ça fait des mouvements stylés, mais... Faut que j'échauffe ma manette en fait. Et voilà, l'artefact. Alors là-bas, il y a la bicorne de Bonaparte. Et elle est juste à côté. Je l'ai même pas vu en fait. Et hop, super. 1 sur 7. Alors merci pour l'accueil du premier épisode, bien sûr, hein, il a fait 9 vues et peut-être qu'il va encore monter, je sais pas, j'ai pas regardé depuis un petit moment, donc peut-être qu'il a encore monté, je ne sais pas, mais merci, hein. Merci pour les quelques personnes qui suivent ce DLC, ça fait plaisir. Alors si je fais un épisode annexe, les amis, une fois sur deux, c'est simple, c'est pour trouver la tenue... La tenue spéciale Dead King, hein, celle-là je veux la trouver avant de finir le jeu, ça serait bien. Parce que pour moi elle reflète bien ce DLC en fait. Donc c'est pour ça, je veux absolument l'avoir. Ah du coup ça va être un problème, le bouton carré pété. Ouais, ça va être un problème, surtout pour un jeu comme Assassin's Creed Unity. Ça va être un petit peu emmerdant. Mais bon, on va faire avec. On n'a pas trop le choix. Ah, il y a des récits. Ouais. Donc la ville qu'on est, c'est pas à Paris. On est à Francis. Oh, ça me fait penser à Ensio, ça. Ouais, bah ouais, ils disent récit de Francis, donc... C'est bien ça. Faut pas monter. Putain, c'est vachement haut, hein. Hop. Allez. Trente-neuf mètres, ok. Donc en gros il est au-dessus de ce clocher là. Oh là là, c'est la merde, sérieux ces bâtiments là. C'est dur à escalader ce bâtiment là. Je me demande comment ils ont fait pour construire ça, mais bon. Ils sont balèzes, hein. Allez, on y est presque. Et voilà. Synchronisation. Là-bas, il y a un bicorne de Bonaparte. Le récit, on va pas le faire tout de suite. Ouais, bah du coup, bah, il est là. Du coup, je vais choper le bicorne de Bonaparte, normalement. Eh ouais, bim.
Bon, ça c'est fait. Coffre jaune. Alors, coffre jaune en priorité, les amis, c'est là où il y a les tenues. J'espère qu'on pourra les ouvrir, ceux-là. Enfin, pour l'instant, là, on a eu aucun mal pour les ouvrir. Juste au début de l'aventure, là, au début de Assassin's Unity, on a eu un petit peu du mal à ouvrir un coffre. Mais là, là c'est bon, là, c'est réellement parti, on dirait. Vol, voleur sans foi. Non, je veux pas aller dans voleur sans foi. Ah, 1250 francs, je suis deg. Là-bas, il y a un prochain coffre. Et j'espère qu'elle a tenu, mais je pense pas qu'elle va y être encore. Je prie pour que c'est pour qu'elle y ait, hein. Tout simplement. Tiens. Hop, et voilà. Alors c'est bon, ma touche carrée va mieux, hein, les amis. Faut juste les chauffer en fait. Les chauffer un petit peu avant de jouer. Normal. Par contre, là, on va faire gaffe à ne pas se casser la gueule. Ah, merde. Hop. Gage. Allez, je mourrai pas. Je dois le faire. Bon, toi tu me saoules. Vous commencez personnellement à me faire chier là. Tiens. Vous commencez mais sincèrement à me faire chier. Dégage. Putain, et lui je l'aide et il me frappe. Tiens, hop, va pour la peine. Tiens. Et tiens. Bon, je peux l'avoir enfin ce coffre. Il aurait été mérité ce coffre là. Il y a 3000 francs dedans. 1250 francs. Toujours pas de tenue. Ah, peut-être que les tenues, je vais peut-être les avoir dans la mission principale. Ça c'est peut-être. Bah attendez les amis, on va checker un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas des masses de séquences. Récompense à lanterne. Ok. Le mortier guillotine. Et après les autres, je ne sais pas. Les autres, je peux pas les voir, c'est con. Bon. Peu importe. Bah tiens, il y a un coffre là-bas. On va aller l'ouvrir. Ah, c'est vrai, je devais aller au magasin parce qu'il m'en reste qu'un. Qu'un crochet. Hop. Wow, je suis un petit peu blindé en thune. On va regarder ça. Personnalisation du personnage. On va regarder si on peut pas acheter quelques. Un petit peu d'équipement, vous voyez. Tenue, j'ai rien. Non, il me les a pas débloqués comme ça, en fait, sans me les dire. Non, il me l'a.
Oh, dommage. Ça aurait été trop beau. Ah, j'ai le manteau le plus cheat, d'accord. Bon, ça va, on a qu'à dire. Tranquille. Celui-là, orange, j'ai le truc merdique. Ah, les gants, ça coûte une blinde. Hein. Pas donné, les gants. Bon, idem pour la ceinture. Bon, là, j'ai le meilleur pantalon, donc c'est bon. On va continuer à économiser, les amis. On n'a pas le choix. Par contre, si je pourrais trouver un magasin, ça m'aiderait fortement. Il me reste qu'un crochet, donc... Et à payer des remèdes aussi, là, je suis prêt à user ma thune pour des remèdes. Voilà. Ouais, je pense que ça va pas être très dur de faire un 100% sur ce DLC, les amis. Enfin, bien sûr, on enlève les contraintes annexes. Hein. Je vous dis, si vous n'avez pas regardé le premier épisode, on enlève les contraintes annexes hein, pour le 100%. Ce mois, dans les Assassin's Creed, je ne fais jamais les contraintes annexes. Je déteste les contraintes annexes. Moi, je trouve ça complètement con. Bon, c'est vrai, ça pimente un peu le jeu, mais non. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, en fait. Donc c'est pour ça que je les fais pas. Donc là, on va choper l'artefact. Et l'artefact, il est dans la baraque. Je sais pas, qu'il y a au moins 5-6 mecs dedans. Oui, bonjour. On m'a demandé. Hop, au revoir. Hop, super, merci. Tiens, bon, elle est là. Hop. Ah, ça on avance bien, les amis. Bon, bien sûr, on peut revenir à Paris quand on veut. Hein. C'est le petit P là. Que si vous avez remarqué brièvement, c'est là pour y aller. Mais bon, nous on n'y va pas, on reste ici, on est bien, Franciade. Hop. Oh, par contre, il y a un beau bug là. Chouette bug, super. Ouais, c'est pas grave. Ouais, voilà, île Saint-Louis, donc c'est ici pour revenir. Là où on était, là où on était dans le let's play précédent. Alors. Coffre à 45 mètres, ça va, tranquille. Ça, des coffres, là, on a ouvert 4-5, là. On a déjà fait pas mal de pourcents, là, en coffre. Hop, crève. J'ai besoin de ton coffre. Ça, j'ai pas besoin de crochet pour celui-là. Ah, du coup, il n'y a pas de magasin. Je peux pas en acheter comme ça, non? Magasin en ligne, c'est quoi? Ah non, c'est pas ça que je veux. C'est quoi, boost? Ah ouais, ok, des boosts, ouais.
Ouais, d'accord. Le truc où tu payes, quoi. Non, je peux pas. Ah, c'est con. En coffre, on a monté, là. Ah, 14% seulement. Bon, en même temps, on commence juste, hein. Ah, basilic, on est pas mal, là. On a eu 5 sur 10. Donc, en gros, c'est ça, la map. Wow, c'est gros, c'est petit. Ouais, c'est acceptable pour un DLC, hein, ça va. En revanche, s'ils auraient genre donné cette map pour le jeu, là, c'est plus un foutage de gueule. Non, pour un DLC, ça va, c'est honorable. C'est pas... Surtout qu'en plus, c'est gratuit, donc on va pas s'en plaindre. Faudrait qu'ils en feront plus souvent, Ubisoft, des DLC gratuits, ce serait sympa. Hop. En même temps, c'est les avantageux aussi, comme ça, il y a toujours plus de monde sur leur serveur. Donc ça leur aide aussi. Bon, on va aller. Bon, allez, on va faire le récit Franciade. Hein. Bah après, le problème, c'est qu'ils me filent pas des crochets. Ah bah voilà un beau point négatif pour ce jeu. Enfin, pour ce DLC. C'est que il faut revenir à Paris pour aller acheter des crochets. Ah bah ça va être la merde. Allez! Casse-toi! Casse-toi, toi tu me gênes! Et voilà! Ah bah il est là alors ici! Je l'ai même pas vu! Alors la rose en bouton! Ok, c'est parti! Fouillez le tombeau que le pilleur semble si impatient d'ouvrir! Ouvrir le tombeau, ok. Ça fait 17 minutes qu'on tourne, ça va. Je regardais juste, hein, les amis. Hé, hey, mec, salut. Eh, hey, ils sont différents, hein. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir de voir d'autres têtes. Ouais, c'était différent, hein. Ah, pour la peine, je vais les fouiller. Ça se voit qu'une seule fois des mecs différents. Qu'une seule fois dans une vie. Ouais, c'est des pèlerins. Ouvrons ça. La sépulture de Marie de Médicis est l'un des derniers tombeaux intacts de la crypte. C'est l'un de ses côtés. De ses côtés ont décelé une serrure très complexe. Ouvrir le tombeau. Ah ouais, d'accord. Faut que je trouve des informations sur le tombeau. Donc il y a deux indices. Ouais, c'est sympa. Et la boulette de papier. Ah non, c'est un os. Bon, je peux l'ouvrir, ce fameux tombeau. Ah non, même pas, faut aller carrément à un autre. D'accord. Trouver la boutique du bijoutier. Ok. Alors je vois pas ce que le bijoutier vient faire ici, mais bon. Casse-toi, comme ça tu me vois pas. Allez vite. Oh, vous le laissez tranquille, d'accord? Hop, voilà. Ah, oh, je suis trop gentil, je le sais. Mais bon, des pauvres gens, voilà, ça me semble normal. Hop, parlez.
tombeau. Ça fait des jours que personne ne l'a revu. Merci. Donne-nous en affaire. Ah bah merde, j'ai tué, non? C'est pas lui que j'ai tué. Lol. Ah non, c'est d'autres catacombes, d'accord. Salut bijoutier, t'es là? Ah bah c'est bien, tout en bas, il y a peut-être quelque chose à trouver. Ah mais j'y étais déjà, à Crypte Royale. Ah, je suis déjà allé ici. C'est même là, rappelez-vous les amis, où il y a eu un coffre qu'on n'a pas trouvé. Ah oui, c'est vrai. On va allumer notre torche. Sinon, ils vont faire chier les chauves-souris. Ah ouais, ils sont vachement différents. Le bijoutier, où es-tu? On va pas gaspiller non plus. Et toi, on te bute. Apparemment, quand t'es dans les catacombes, c'est des autres mecs. Ok, bon, ça peut être sympa. Os humain sculpté. Ok, c'est ça le... ton prototype. Bon, bah, ouais, cool. Pas de quoi se faire un... Oh, y'a un coffre jaune ici. Il est à moi, ce coffre, d'accord? Vous vous calmez tout de suite. Le mec qui devient parano quoi. Salut. Salut Ahmed. Salut gars. Hop, pas le temps, désolé. Je suis le chef pour effrayer les autres. Aïe. Joli coup hein. Putain, il a de la vie lui hein. Ça rigole plus. Tiens, Tomer. Ça, j'ai 5 remèdes, je suis pas mal. Ah, ici, je suis jamais allé. Parce que là, il y a deux coffres, ouais, je suis jamais allé. Hein. Ah, c'est ça, alors. En gros, leur chef, c'est les bourrins, ok. Tiens, hop. Bon, celui-là, oh là là. Bon, je vais tenter de l'ouvrir, mais je le sens pas, les amis. Hein. Yes. Ah, on aura réussi, les amis. Hein. BG. Bombe de mortier. Le truc que je me servirai même pas, hein. Je tiens à vous le dire. Ah, un coffre jaune, ça m'intéresse. Il y a une tenue, non? Ce serait sympa. Tenue de garde de Franciade, yeah! Super! Ah par contre, est-ce que c'est celui-là qu'il me faut? Est-ce que c'est celui-là que je veux? Je pense pas, hein. Je pense pas, ça m'étonnerait. On va voir. Tenue de garde de Franciade. C'est quoi? Oh! Bah je crois que c'est celui-là, ouais. Tenue de pierre. Pierre, il est pas mal aussi. Oh, je vais prendre celui-là. Ah ouais. Non, pas celui-là. Celui-là, ouais. Ah, celui-là, j'adore. Ah, j'adhère. Ah, il est trop beau. Ah, il est trop stylé. Ouais, c'est celui-là, les amis. C'est la tenue dont je vous parlais. Oh là, bah, je la garde. Ah, c'est bon, là, je la garde dans tout le l'EP. Hein. Ah, je la garde dans tout le let's play, les amis. Oh, je la trouve trop stylée. Trop belle. Ah, sans déconner, elle est trop belle. Wow! Ah non, merde, je perds le levier à rien là.
Bah, c'est haut. Ouais, c'est parce que petits insectes là, la con. Salut les gars. Bon, on va dégager de là. Ah, le truc de Napoléon, je l'ai eu. Et bah finalement, il y a deux coffres là, les amis. Enfin, le coffre que j'arrivais pas à voir, c'était celui-là, je pense. Ah, il me semble que c'était celui-là. Oh bah super. Bon, bah, là, on aura eu. Hein. Ah, là, je vois qu'il y a un truc qui m'intéresse. Ah ouais, c'était ça, la porte. La porte que j'arrivais pas à ouvrir. C'était un mec, en gros, il devait l'ouvrir. D'accord. Bah, c'est important de faire le récit de Francia. De toute façon, je comptais les faire. Hein. 100%, je vous dis, c'est vraiment tout à voir. Hein. Sauf les contraintes annexes. Sauf ça. Ça, j'abandonne. Ouais, eux, ils ont de la vie, ça rigole pas. Tu peux pas me vaincre. J'ai ma tenue, tu peux pas me vaincre. Salut. Oh, tu vois la barbe qu'il a, lui. T'as, lui, c'est un prisonnier, lui. C'est pas pareil. C'est pas un garde. Ah, il est trop stylé, mon Arnaud. Franchement, j'adore. Moi, il est trop stylé. Moi, je trouve qu'il est... Il est classe. Ça fait un petit peu la tenue de pèlerin. C'est stylé, ouais. Moi, j'aime bien. Ah, attendez, avant, il y a un... Il y a un emblème à voir, là, machin. On a toujours pas fini la mission, là. Elle est longue, quand même, le récit de Francia. Mais... Quand même long, hein. Donc 2 sur 3, super. Bien. Alors, où est le coffre? Il est là. Oh merde. Oh. T'as lui minir. Tiens, pour la peine. Ouais, eux, c'est les chefs. Tu tues les chefs, les autres, ils tueront pas, en fait. Les autres auront peur de toi. Hop, ça, c'est bon. Hop, 7 sur 10 en coffre, pas mal. Pas mal, pas mal. Manque 3 coffres. Manque plus que 3 coffres. De toute façon, à l'extérieur, je les ai pas encore tous pris, donc... je pense savoir où ils doivent manquer. Merde. Oh, non, sérieux, c'est où? Ah, c'est carrément à l'opposé, le bazar. Ah, d'accord. En gros, faut que je remonte. Ouais, il faut que je remonte et après, je revais à l'intérieur. Ok. Oh merde, je l'avais pas vu. Je me disais, il y en a un qui me voit et je le vois pas. Tiens, hop, meurs. Ah bah tiens, il y a une porte d'ouvert. Enfin, il y a une fenêtre d'ouvert. C'est parfait. C'est parfait pour se barrer. Ah bah c'est bien, c'est aller ici. Ah bah en gros je vais voir finalement je tombe là. Encore eux? Putain, je croyais que je les avais déjà tués. Hop, meurs. Ah bah le voilà lui. Putain, il a réussi à me suivre. Casse-toi. Laisse-moi ouvrir ça. Je veux l'ouvrir. Allez, ouvrons ça, Arnaud, chasseur de trésors. Le sceptre de la rose. Waouh, il est stylé. Ok, bah j'ai eu. Oh
En gros, je peux les utiliser, non? Ouais, non, c'est juste des trucs à collecter. Bon, bah, c'est sympa. Ah, j'en ai déjà pas mal, hein. Sympathique. Donc, ça fait combien de temps, les amis? 30 minutes. Bon, là, les amis, on va pouvoir s'arrêter ici. En espérant que ça aura plu, cet épisode annexe. On aura eu, enfin, la tenue, les amis. La tenue ultime. Moi, je la trouve méga stylée. Donc, là, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera pour l'épisode 3. Et ça sera un épisode principal. Allez, merci à regarder. Ciao tout le monde.